Allez, on enregistre ça et on dit au revoir à 2016. Année de merde. Stop it. Get some help. Comme chaque début d'année, on va faire le bilan de ce qu'il y a eu dans les salles de cinéma, le pire comme le mauvais. Et on peut dire que cette année, comme chaque année, il y en a eu beaucoup. Encore et toujours, ce classement est purement et simplement subjectif et ne comporte pas forcément les meilleurs films de 2016, mais mes meilleurs films de 2016. Donc pas de hate, parce que sinon, je vais commencer à shake. Allez, c'est parti tout de suite. Numéro 10. Tout simplement pour une seule et même raison. Ces deux films apportent du sang neuf. Deadpool fut un pur et vrai plaisir surprenant dans le monde du super-héros, apportant son lot d'humour et de fraîcheur à l'univers Marvel, même si c'est pas vraiment le vrai. Mais voilà, la nouveauté était là. Et de son côté, Hardcore Henry fut une vraie bombe dans le monde de l'action, offrant une vraie proposition de mise en scène et d'immersion cinématographique au travers d'un parti pris respecté et jouissif à souhait. Un peu de fraîcheur dans un Hollywood où tout semble n'être que formaté. Ça fait du bien, non? Et ça ne fait que commencer. Numéro 9. On peut reprocher beaucoup de choses aux adaptations de jeux vidéo en film, mais pas à celle-là, finalement inventive et plutôt classe. Là où on peut reprocher à ces adaptations d'être trop proches du jeu et pas assez d'une immersion cinématographique, Duncan Jones offre de vrais personnages de cinéma proches du jeu, une vraie aventure en adéquation avec l'univers, un pur trip de cinéma dense et violent, bref, un vrai délire embarquant le spectateur dans un torrent d'aventures qui prouve dans son dénouement que même si le cinéaste a été brimé dans la création de son œuvre, il a réussi à déplacer assez de montagnes pour donner envie de voir la suite de cette fresque épique. Alors comme ça, le cinéma et le jeu vidéo ne font pas bons amis? Eh bien, Jones est en train de nous prouver le contraire et il le fait avec brio. Allez, numéro 8. On voit finalement peu souvent des films d'animation réussissant un mariage parfait entre films d'animation pour adultes et films d'animation pour enfants avec deux lectures totalement différentes. Là où certains verront dans le film de Michael Dudok-Dewitt une œuvre sur la naissance d'un enfant sur une île peuplée par son père et sa mère, d'autres y verront peut-être tout simplement la découverte du monde par un être humain à qui on n'a jamais vraiment donné l'opportunité de le comprendre. Là où certains ont simplement vu dans La Tortue Rouge une œuvre graphique, le film est avant tout une œuvre narrative puissante, usant du pouvoir de l'image comme vecteur d'émotion et de sensation, un pur trip de cinéma affectif et violent qui prend littéralement aux tripes. Rarement le cinéma aura eu autant d'impact uniquement par le mouvement, et c'est en cela que DeWitt impose son film comme un immanquable de l'année. Allez, numéro 7. La musique et le cinéma ont toujours fait bon ménage. Mais le cinéma et les années 80, c'était le mariage ultime qu'on n'attendait plus. En plein deuil de George Michael, ce film nous rappelle à quel point les années 80 ont influencé notre monde musical et à quel point John Carney a réussi à cristalliser cela au cœur d'une œuvre de cinéma magnifiquement puissante et universelle. De par son récit aux allures classiques et sa mise en scène usant à merveille du mouvement, le cinéaste irlandais offre là une petite perle musicale et cinématographique qui reste en tête à la fin de la séance par ses chansons entraînantes et son héros évolutif et charismatique. Une petite perle qu'on a envie de ranger sur notre étagère entre un bon petit vinyle de Wham et notre baladeur cassette. Numéro 6. Décidément, après les années 80 anglaises, ce sont les années 80 américaines qui nous suivent dans une œuvre folle et dingue. Richard Linklater, qui avait sublimé la naissance d'un adulte dans le film Boyhood, livre ici un pur trip jouissif au cœur d'une fac américaine au début des années 80, juste avant la reprise des cours. Pure filiation dramatique et narrative de Boyhood, ce long métrage donne la pêche de bout en bout et nous laisse prendre un pied jouissif du début à la fin par le biais d'une immersion simple mais rutilante et d'une bande originale parfaite pour une œuvre de cinéma juste extraordinaire et saisissante de perfection. Un vrai délire en forme d'American Pie intelligent et réflexif pour un pur et vrai moment d'émotion et de nostalgie. Numéro 5.
La guerre est une chose terrible à capter, mais la filmer avec autant d'humanisme, on n'avait pas vu ça au cinéma depuis à peu près 18 ans. Mel Gibson est un cinéaste décrié à Hollywood, notamment en dehors des plateaux. Mais ici, on s'en fout, car le cinéaste qui se cache derrière l'homme est un génie de la mise en scène, capable d'être subversif et corrosif au cœur d'une œuvre sentant bon le puritanisme à l'américaine ultra classique et cliché. La puissance du récit, la générosité dramatique, la maestria des personnages, tout ici donne lieu à une œuvre folle et saisissante de puissance, alignant les peintures christiques et les allures de fresques épiques. Gibson livre là un de ses meilleurs films pour un moment de cinéma gravé au fer rouge dans les annales de l'année 2016. Numéro 4. Si la Corée du Sud frappe fort chaque année, en 2016, c'est avec les deux points qu'elle nous a assommés, littéralement. L'un est un grand thriller policier, s'inscrivant à merveille dans la lignée des films révolutionnaires que nous ont pondus des cinéastes comme Bong Joon-ho et Kim Ji-woon, avec un jeu des styles et des genres absolument dingues, et un retournement qui te fait littéralement te demander si l'humanité c'est si bien que ça. Et l'autre, bah y a tellement de choses qui ont été dites dessus que je vous les redis simplement telles quelles, c'est le meilleur blockbuster que l'été nous ait offert, littéralement. De pures bombes de cinéma pour un plaisir de dingue, autant chez soi que dans une salle de cinéma, tant les deux œuvres sont renversantes. Allez, attention, là on rentre dans le top 3, donc ça va commencer à devenir du lourd. Numéro 3. Ça faisait longtemps qu'une œuvre de cinéma ne m'avait pas autant marqué dès le premier visionnage, mais avec ce film, Nichols prouve de manière définitive son génie. L'aventure purement universelle et jouissive remplie de mystères et de surprises, les personnages tous plus attachants les uns que les autres, la construction du récit ainsi que les retournements de situation. Ce film est une pure bombe, un film de génie accumulant les idées de mise en scène folles, les effets de style renversants et le brio d'un auteur captant avec grâce la perte de l'innocence et la découverte du monde par le biais d'un élu que Luke Skywalker ne démentirait pas et que Yoda aurait adoré former. Bref, un grand et beau film de cinéma, jouant à merveille avec le spectateur et avec le style des blockbusters des années 80. Numéro 2. Capucine me l'a assez dit pour que je vous le répète tel quel, c'est l'un des meilleurs films sur le journalisme qui ait été fait à ce jour. Tom McCarthy est un metteur en scène de génie, et ici, il filme l'être humain d'une manière absolument dingue, pour un moment de cinéma qui a été très critiqué après son sacre aux Oscars de manière totalement injuste, et pour en avoir fait les frais durant un live, je peux vous le dire que c'est injuste. Tout est bon dans ce long métrage. L'intensité du récit, la simplicité troublante de la mise en scène, la formidable justesse de chacun des acteurs, tout est grand dans le film de McCarthy, et c'est cela qui en fait un grand film. Un putain de grand film, alors stop le bashing sur ce brio de cinéma moderne et rendons hommage à un puissant moment d'émotion et d'immersion. Et celui que vous attendiez tous, un choix qui risque de surprendre pas mal de monde, mais qui pour moi était une évidence. Numéro 1. C'est toujours difficile de poser des mots sur une œuvre qui nous marque aussi viscéralement que cela, car au final, c'est ce qu'est Anomalisa. C'est une œuvre viscérale que Johnson et Kaufman nous ont offert là. Une œuvre viscérale profonde et tourmentée autour d'un homme se cherchant au cœur d'un monde formaté. Une œuvre viscérale humaniste cherchant à capter une émotion pure et sensible. Une œuvre viscérale dans tout ce que le mot a de plus primaire, tenant le spectateur par les tripes et ne le lâchant qu'à la dernière seconde du film, offrant alors un message puissant mais également terriblement dur au spectateur, le monde dans lequel tu es n'est pas celui que tu désires réellement voir. J'étais bouleversé en sortant de la salle d'Anomalisa, mais vraiment, j'arrivais pas à m'en remettre. Et à chaque fois que je le revois, ça me fait encore et toujours le même effet. L'animation est sensationnelle, le jeu avec la mise en scène est sublime, et l'ensemble dramatique reste de bout en bout saisissant de maestria, pour un film qui ne fait pas que simplement nous toucher, mais qui réussit à imprimer un regard sur le monde qui ne nous laisse pas indifférents en sortant de la salle. Faisant alors d'Anomalisa mon film marquant de l'année 2016, un film que je garderai précieusement à côté de moi en tant que cinéphile. Voilà, c'était mon top des meilleurs films de l'année 2016. Et vous alors, c'est quoi votre meilleur film de l'année? Soyez sûr que si vous le mettez dans les commentaires, je serai votre premier lecteur. On se retrouve très vite pour un autre top, et d'ici là, vive le cinéma.